Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi dans le cadre d'une tournée au Moyen-Orient. Il devrait prononcer un discours au Caire. Le haut diplomate américain cherche à réunir les alliés arabes à la suite de la décision du président Donald Trump de retirer ses troupes de Syrie. Après sa visite en Jordanie et une visite non annoncée en Irak, Mike Pompeo visitera six autres pays au cours des prochains jours, dont les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, Bahreïn, le Koweït et le Sultanat d'Oman.